coup, le mec m'a rappelé 3 jours plus tard, et puis voilà. Ouais, bah c'est cool, il est bien installé. Ouais, après, faut que je finisse de m'installer, quoi. Faut faire des cartons, de l'espionnage. Voilà vos bières. C'est pour ça que les présidents américains, ils vieillissent d'un coup quand ils commencent leur job. C'est après le briefing des services secrets sur les aliens et les forces de surnaturel. Ouais, c'est logique, quoi. Parce que tu dis quoi, toi, en bus? Bah non, pas forcément, mais au moins, c'est logique, quoi. Ouais. Bon, les gars, on va peut-être s'y mettre, non? On prend un selfie ou quoi? Ouais. Techniquement, c'est un selfie, hein. Oh, Véronique, s'il te plaît, arrête avec ça. À chaque soirée, tu nous bassines. À chaque soirée, tu nous bassines. On est plusieurs, on dit selfie, pas selfie. Mais le pire, c'est que vous m'écoutez en plus. Mais non, vous continuez à dire selfie. Attends, quand tout le monde est sur les séances, tout le monde, un panino. Bah évidemment, panini, c'est pluriel. Ah. Véronique, tu le dis encore une fois et je te chatouille derrière. On arrête avec les menaces là? D'accord. Moi, on la prend cette photo? Derrière l'oreille. Cheese! Allez! Sympa. Bon. Eh, regarde. Ah, bah, super la photo. Non, mais regarde là. C'est qui lui? Tu le connais? Non. C'est peut-être un pote de Sacha? Pourquoi Sacha? Je sais pas, il a une tête avec pote avec Sacha. Sacha? Quoi? Regarde. Elle est ratée? Il y a un mec qu'on connaît pas dessus, tu vois qui c'est? Non, du tout. T'en fais voir? Ah non, j'ai une note de con là-dessus, vous voulez pas la refaire, les gars? Vas-y, rends-moi ça. Il y a un gars qu'on connaît pas sur la photo. Vous arrêtez ça tout de suite, c'est pas drôle, hein. C'est un fantôme. Non! N'importe quoi, ça n'existe pas, les fantômes. Il y a un mec qu'on connaît pas sur le selfie, il y a que nous ici. Ça veut pas dire que c'est un fantôme, et c'est un selfies. Non mais regarde, quand tu prends des photos en argentique et que le négatif est développé à la bonne température, tu peux voir apparaître des ectoplasmes. Par exemple, en 1919, dans les Hampshire, le capitaine Victor Godard avait un équipage... C'est n'importe quoi! Sortez tous vos téléphones! Regardez partout, il est sur toutes nos photos de la soirée, il est sur ta story tout à l'heure, sur mon post Instagram, il est sur toutes nos photos! D'après mes informations sur la ville de Paris, ce quartier et ce bâtiment, il se pourrait que quelqu'un soit mort ici il y a 40 ans. Où est-ce que t'as trouvé tout ça? Et aussi, t'étais où depuis tout à l'heure? En 1977, il y avait 2 occupants ici, un couple. Le type s'apprêtait à la demander en mariage quand elle l'a quitté, a entièrement disparu de sa vie. Des témoignages ont révélé qu'elle avait en fait gagné au loto et décidé de changer de vie. Mais c'est affreux! On l'a pas comme ça, j'aurais fait pareil. Du coup, il s'est tué le type? Et depuis, il hante l'appartement? Personne ne hante quoi que ce soit ici! Pour faire simple, non, puis oui, puis si, si, absolument. En fait, l'histoire s'est retrouvée dans les journaux parce qu'elle s'est terminée de manière très sordide et curieusement absurde. Juste après que la femme soit partie, un cambrioleur apparemment instable est entré par effraction. Le type avait en main la bague qu'il avait achetée pour demander sa compagne en mariage et il a refusé de s'en défaire. Résultat, il s'est fait planter. Je crois que je vais m'évanouir. Et du coup, c'est lui le fantôme? Y a pas de fantôme! Tu vois bien que si! Je vous jure, je vais m'évanouir! Pourtant, en croire mes ouvrages sur l'histoire de Paris, ceux sur les fondations de Lutèce et cette carte des courants telluriques, on est à la fois sur un ancien cimetière celte et pile poil sur un nœud de puissance cosmique. C'est n'importe quoi! Soit voir, vous êtes peut-être envoyé avec ça, non? Y en a qui vont croire que je me répète, mais je pense que c'est bien de le redire. C'est un fantôme! Y a pas de fantôme! T'es emménagé dans un appart avec un fantôme! Y a pas de fantôme! Écoute, Véronique! Je veux bien moi aussi être rationnelle, mais à un moment il faut regarder la réalité en face. Un homme a perdu la vie dans cet appartement, le cœur rempli de chagrin, de regrets et de blessures. Il s'est vidé de son sang sur un lieu sceptique sacré. Bien type que personne ne connaît apparaît sur nos photos ici. Personne ne le situe, personne ne voit qui c'est, il est tout pâle, il a un poil flippant, il n'a pas de poil, mais ça c'est un poil hors sujet. C'est un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Ok. Je voulais pas vous faire peur. Je suis désolé. Tom, l'esprit d'équipe. Ok, j'ai conscience que je suis en train de crier, mais c'est parce que j'ai beaucoup beaucoup peur. Et aussi, je crois que j'ai mis Bibi dans mes culottes et j'étais pas censée le dire à voix haute. Mais putain, t'es qui? Mais je suis le coloc de Jérôme. J'ai emménagé la semaine dernière, le proprio a bien dit qu'il cherchait 2 personnes. Alors je sais que je suis assez discret et votre histoire de fantôme, c'était très marrant. Mais non, c'est moi sur les salises. Jérôme, tu leur as bien dit que t'avais un coloc? Tu m'as pas oublié? Eh, on vous a bien eu quand même, hein?
colère, moi. Donc c'est pas un fantôme?